qui nous adore. Bénémoine, tu connais celui que tu adores. Tu es un homme heureux. Si la Bible nous dit, mon peuple périt. Faute de connaissance. Un jour, Jésus-Christ lui-même va poser la question à ses disciples. Que dites-vous que je suis? Ils ont dit, les gens disent, tu es le prophète Élie. Tu es l'un des prophètes. Il leur pose la question. Mais vous, vous, pour vous, que suis-je pour vous? Elle dit, vous allez me servir. Vous allez prêcher ma parole. Vous parlerez de moi. Mais est-ce que vous me connaissez vraiment? Mais même pour servir Dieu, il faut avoir la révélation de celui qui est Dieu. La révélation de celui qui t'a appelé. Tu dois aussi avoir la révélation du temple. Tu dois aussi avoir la révélation de l'autel. Tu dois aussi avoir la révélation de l'offrande. Parce que l'offrande qualifie l'adorateur. L'autel qualifie le sacrificateur. Et le feu qualifie Dieu. Donc si nous comprenons ces révélations, nous allons servir Dieu tranquille. Parce que Dieu ne peut pas faire descendre le feu. S'il n'y a pas de vente sur l'autel. Parce que l'autel reprend également le message du sacrificateur. Parler de Noé, c'est lui qui a travaillé. On appelle le prédicateur
travail mérite récompense. Le premier mérite son salaire. C'est ainsi que ça reçoit Isaac. Alléluia. Nous attendons celui qui nous voit. Voilà pourquoi je vais parler d'une femme dans la Bible. Cette femme a reçu la révélation. Depuis qu'elle a reçu la révélation de cet homme-là, sa vie a changé. Nous lisons la Genèse 29, le verset 31 à 35. Quelqu'un est rapide pour lire. Genèse chapitre 21, verset 35, jusqu'au 35 verset. Nous lisons la parole au Seigneur Jésus-Christ. Mais toute la santé, c'est le respect de la parole. Yeah.
Dieu a entendu ma supplication. Accompagner Dieu en le servant. Quand nous servons le Seigneur, en fait, nous accompagnons le Seigneur, mais en le servant. Alléluia. Maintenant, quand il y a le quatrième enfant, je parle du quatrième fils. Il a reçu la Bible dit, elle cessa d'enfanter. Parce que notre révélation se trouve là. On dit que Léa eut le quatrième fils. Et elle, c'est ça, d'enfanter. Et ce fils, il a nommé Judas. Et moi, on va appeler comme Judas. Judas signifie louange. Judas est là qui s'y consacre. C'est-à-dire remercier Dieu. Qu'on ça Yahweh. Alléluia. Amen. Ça, ça crache? Non, je reprends l'autre. Alléluia. Arrête ça. Léa, Judas signifie louange. Judas est là qui s'y consacre. C'est-à-dire remercier Dieu. Quand on dit louange, vous savez, la louange crée une atmosphère. Louange est ça la atmosphère. Et cette atmosphère favorise l'action de Dieu. Mais l'atmosphère, on est bien ça, la vie. Même si Dieu ne voulait pas agir, la louange l'amène à incliner son cœur pour faire quelque chose. Non. Nous devons chanter. Nous devons louer Dieu. Nous devons l'adorer. C'est pour créer une atmosphère. Afin que Dieu puisse agir. La louange. Dans la louange, on remercie également Dieu. Amen. Vous savez, moi, l'évangile, c'est l'entrée en dessous.